Push-up à downward dog, toes touch. Fait que je fais mon push-up, ça peut être sur les orteils, ça peut être sur les genoux. Donc, tu pourrais commencer ta série sur les orteils, si t'es capable d'en faire quelques-uns, ou bien tu pourrais juste descendre sur les orteils, déposer tes genoux au sol et remonter. Fait que dans tous les cas, quand tu es en bas, je veux vraiment que tu t'assures d'avoir les omoplates down and back. Fait que comme ça, je veux pas que tu crispes les épaules vers le haut. Il y en a beaucoup qui essaient de glisser les coudes ou les bras sur le corps. Fait qu'ils font leur push-up comme ça. Je veux pas voir ça. Je veux que tu gonfles ta poitrine. Puis mon coude va être à peu près à 45 degrés de mon corps. Pas tout à fait, peut-être 20-25 degrés. Fait que comme ça ici. Belle position de push-up. Pousse. Je mets mes orteils au sol. Et de là, je pousse dans ma main droite pour aller toucher mon pied droit avec ma main gauche. Reviens, touche l'autre côté, je redescends dans mon push-up, puis je fais la même chose.